aussi les gars, s'il vous plaît. Ramenez, ramenez. Non, ramenez, attendez, attendez, non, les gars, les gars. Attendez. Alors aujourd'hui je suis dans le Cantal où je suis venue rejoindre des gens absolument incroyablement fous. Je vous vois, mais cachez-vous. Faites-moi une surprise au moins. Vu que j'ai super peur de faire toutes ces épreuves, je leur ai demandé de venir m'enlever et de pas me laisser le choix de faire les épreuves. Et donc je suis en attente d'enlèvement, présentement. C'est un arrêt mort, ne bougez plus. Ok, super, c'est parti, j'ai trop peur. T'es en plein milieu du Cantal, au bord d'un lac, et en fait t'es à 100 mètres à peu près du lac, et t'es sur un grand toboggan qui est fait à partir de moquettes et de liner. J'ai peur. Mets-toi à genoux tranquillement. T'y arrives pas toute seule. Donc là en fait je te donne une planche de bodyboard. Allonge-toi. Et tu glisses à l'intérieur, c'est comme une piste de bobsleigh un peu, et au bout de ça t'as un tremplin, t'as un gros tremplin. Qui va dans le lac. Là, le toboggan, il fait des zigzags pour arriver non, au lac. Non, il est tout droit, non, rassure. C'est censé être rassurant qu'il soit tout oui, droit. Oui, car... J'ai tellement froid, j'ai peur. Allez, attention. Non, mais c'est tellement... Ok. 5, 4, 3, 2, 1, allez. Mais juste derrière le tremplin, ce serait vraiment déboîté. Il n'y a pas d'eau, il y a des planches qui ressortent. Très bien, que je suis la seule depuis l'existence de ce toboggan à être bloquée avant le saut. Ouais, mais bon, là, ils font, c'est bien ici. Ils s'étalent. Ils s'attrapent à droite, à gauche et tout. J'ai donc enlevé mon pantalon, j'ai pris un plus gros bodyboard et je vais prendre de l'élan. T'as pas les panneaux là, 10 sur 10? C'est trop bien, c'est génial, j'ai trop kiffé. J'ai beaucoup kiffé ne pas m'arrêter comme une grosse vache. Allez, il faut monter maintenant. Donc on est parti pour la deuxième épreuve. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de quelque chose où il faut avoir des gros bras, ça tombe bien, mes bras sont gros. Ils ne sont pas musclés, hein. Ils sont juste gros. Et j'ai des bourrelets à ce niveau-là. Voilà. Hop, je vous montre mes seins, c'est cadeau. Quand est-ce que vous me bandez les yeux, là? La fille qui en redemande. Est-ce que t'es facilement malade en voiture? Non, pourquoi? Bon, mais ça on va va aller. Remonter sur une voiture, là. C'est un peu les mêmes sensations quand il y a des grands virages. Ah. Donc en fait, là, t'es sur une barque. En fait, on a construit un tourniquet et il y a deux bœufs très solides qui vont te tracter. Tu seras accroché et tu vas tourner avec Solène. En fait, il sera à l'autre bout et vous allez tourner super vite au-dessus de l'eau. Il tend les bras maintenant vers le haut. Comme promis, tu es là. La seule consigne qu'on te donne, c'est de tenir le plus longtemps possible. Ah non, mais là, je tiens pas là. Tu n'as rien à faire, tu tiens le plus longtemps possible. C'est clair. Bon, allez, c'est parti, les gars, ramenez la barque. Toi, tu passes à l'eau.
Solane. Ah, je vais lâcher, putain. Voilà, on est bien, Pierre. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu. Ok, je vais lâcher dans 2 secondes. Non, tu tiens. Tu tiens au moins 3 jours. Quoi? Allez, on tient, on s'accroche. J'ai pris la fessée du siècle. Ah, ça a été un gros challenge. Autant de monter sur le truc, de ne pas lâcher avant que ça tourne, ça aurait été vraiment la honte et dommage. Après, ça va très très vite. Et enfin, la fessée finale, quoi. Une grosse fessée sur la fesse gauche. C'est très violent. Donc là, je viens de passer les 200 000 abonnés. Pour me bizuter, ils m'ont emmené vraiment en haut d'une montagne. J'ai peur de ce qui va m'arriver. J'ai une petite intuition que ça va être extrêmement dangereux puisqu'ils m'ont dit de mettre des vêtements de moto. On est tous rassurés. Bon Swan, nouvelle épreuve. On t'a amené en haut du Puy Marie, une des montagnes emblématiques du Cantal. Et là t'es sur un petit chariot à roulettes, ouais, fabriqué maison. Avec 3 roulettes de chariot et puis, oui. Et puis voilà, une petite plaque en ferraille. T'as déjà fait les quartiers? Ouais, mais je crois que je me suis fait mal genre au premier virage. Oula, mais c'est pas bon signe parce que là c'est un petit peu moins sécurisé qu'au quartier. T'as ton permis de conduire? Non. Bon. Super. Là on roule sur la route. Ok. Tiens, il y a des freins là. En fait t'as des, tu vois au bout de tes pieds, t'as des bouts de pneus de voiture. Ah bah c'est... Du coup en fait t'as aucun frein ici. Faut que t'appuies avec ta pointe des pieds pour freiner. T'es un petit peu courte mais bon. Ouais, je suis trop courte là. Ouais, on a fait que des tailles adultes pour les chariots. J'ai une tête adulte par contre. Ouais, t'as une grosse tête. J'ai changé de casque pour pouvoir me filmer. Beaucoup de sensations, un petit virage pris un peu trop serré, une voiture qui surgit à ma gauche alors que je ne m'attends pas, c'est bon, j'étais dans le contrôle, prochaine descente. T'as fait chauffer les freins quand même, mais regarde comme t'as usé tes freins quoi, ça tue et cramé derrière toi. J'avais trop peur. Bon, t'es prête Swan? Ben ça dépend à quoi. T'es prête pour le grand saut?
Le grand saut dans la vie active. Ouais, ou alors dans le lac, tout simplement. Mais en fait, le toboggan, c'était pas un grand saut déjà ? Oh, le toboggan à côté, c'était pas rigolade, je pense. Ah, d'accord. On va dire que ça, c'est un poil plus impressionnant. Comment ça peut être plus impressionnant qu'un toboggan de 80 mètres de long, en fait ? Ben, une tour de 8 mètres, c'est presque pire, en gros. Non, mais attends, à 8 mètres, on peut se faire super mal, non ? Ah, alors. Je suis pas sûr de faire ça. On arrive. Attention, là, il y a une planche dessous. Mais tu peux monter sur la planche. Vas-y. Ah, mais regarde, elle bouge cette échelle, elle n'est pas du sable. Le mieux, c'est qu'on enlève le foulard, si t'es d'accord, pour que tu vois où on est. Ok, vas-y, vas-y. Ouais. Hop. Yes, excuse. Cool. Ok. Oh, les trucs bougent, le mec se marre. Ça va le faire. Bah, on n'a pas l'impression, mais on est à l'imètre, quoi. D'en bas. J'ai bien l'impression que je suis à 25 mètres, oui. En fait, j'ai vraiment très envie d'aller aux toilettes parce que c'est très très haut, quoi. Et les toilettes, je me dis, il y a un truc d'ancré dans la terre. Un truc d'aller au sol. Et tu viens te jeter là-bas, en gardant toujours les bras tendus. Ok, et il faut que je tienne très très fort quand j'arrive en bas. Il faut que tu tiennes très très fort, les bras tendus. Les bras tendus. Super important. Ils vont pas se décrocher. Se décrocher, c'est pas encore arrivé. T'es sûr ? Non, non, non. Pourquoi je fais ça déjà ? Pour le fun. Ah oui, le fun. 3, 2, 1. Allez ! Oh, le plat. Là, c'est la PLS au milieu de l'eau. Ça va, t'inquiète, respire, détends-toi. Respire bien, Swan. Sur la bouche. Bon, mais là, c'est la première fille qui a fait l'Europe Swing. Hein. Avoir un traumatisme crânien ? Non. Je suis vraiment contente en tout cas, vrai. Elle est solide hein, mentalement. Hein. Un peu débile mais solide. Hein. Bon, c'était pas impeccable comme ça, donc tu vas y retourner. Tu vas gainer un peu ses abdos là. Ça, je pense que je vais être un peu sonnée pendant quelques semaines. J'y croyais trop, moi je me suis dit je vais pas lâcher et tout. J'ai même pas senti là, ça tirait quoi. Hey. Quand elle a fait, bah on n'est pas habitué à faire ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo avec Matt Kao. Constitué par ces deux énergumènes. Est-ce que j'ai bien fait les épreuves ? Ouais, pas trop mal. Fait mal à l'étang. J'ai fait mal à l'étang. Ouais, et où est-ce qu'on peut vous retrouver pour s'abonner à votre chaîne ? Sur Matco, sur YouTube. Cool, franchement, allez vous abonner parce que ça déchire. Pour plus de conneries. Ils font plein d'événements, ils font plein de toboggans et ils me mettent la misère. Et je vous laisse avec des images de Redouane, qui est un pilote de drone, qui a filmé Matt Kao et Winter Activity en train de faire des trucs de ouf. Profitez bien. C'est n'importe quoi ce truc. Oh, ça patine en l'air.